chanter. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Allons chanter avec un nouveau décor. Comme vous le voyez, nous les ici à l'étang salé, au théâtre des Sables. D'ailleurs, nous remercions les autres d'avoir accueilli nous ici chaleureusement. Mais attention, avant de commencer, nous accueillons la seule, l'unique, celle qui met du soleil partout quand il arrive, mesdames et messieurs, Katiana Castelnau. Merci d'être avec nous en ce samedi soir, Claudio. Oh ouais, il donne envie d'aller danser, tout bouger, non? Absolument, absolument. Deux nouvelles familles, enfin, ouais, une qu'on connaît déjà. Oui, parce que Bana avait gagné du coup. Ou Bana avait période. Non, ça avait période, mais la famille d'avant, elle a été grand seigneur, elle a laissé à Zot la place. C'est la famille Minachi, mais ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont fait vraiment un très, très beau score. Eh bien, nous, ça fait les présentations tout de suite. Alors, avec nous, Nena. Waouh, Linda. Tu as des cheveux magnifiques. Linda. Tu peux nous présenter ta famille, Linda? Alors, il y a Sylvia, ma cousine, Angélique, ma petite cousine, Hélène, ma sœur, et Jean-Pierre, mon beau-frère. Linda, est-ce que vous n'avez écrit « Guerre de votre famille » ? Oui. C'est quoi ? Alors, chez les Minachi, c'est de la folie. Ah, chez la famille Minachi, c'est la folie, Katiana, ça promet. Et c'est certainement la folie ici aussi, chez les Rouges, avec la famille Katema. Bonsoir. Bonsoir. Le capitaine, c'est Elena. Vous venez d'où ? De Saint-André. De Saint-André. Allez, présentez-nous votre équipe. Alors, ma cousine Stella. Il y a ma tati Anise. Ses enfants, ma cousine Océane et la petite dernière, ma cousine Léa. Est-ce que vous avez un cri de guerre, les filles? Oui. Allez. Super Katema. Ouh, des guerrières. Des guerrières, ben ça tombe bien parce que dans le premier jeu, ça aura besoin de la force. Non, on va tout de suite le blind test. Le blind test. C'était un piège. Alors, le blind test, ça c'est un jeu égal au point, ça non? C'est un jeu égal au point. Un point par équipe, par bonne réponse. Si jamais ça t'y répond mal, ça te donne le point à l'équipe adverse. 5 extraits musicaux, il faut reconnaître très très rapidement et il faut être les premiers à buzzer. Et ben voilà, faites confiance à vos oreilles. Hein. Bon, vous allez prêts? Nous avons le premier morceau, DJ Fano. Oulé, oulé. Facile ça. Donnez. C'est qui? C'est connu. Bougez les reins. Bougez. Bougez, oulé. Bougez. Bougez, caillon. Attention, si c'est une mauvaise réponse, on donne un point à l'équipe adverse. Hein, donc, faut être sûr de soi. Oui. Les filles là-bas, oui. Roseda, Gramuncelo. Gramuncelo. Gramuncelo, Roseda. C'est une bonne réponse. Bien joué. D'accord. Le bon, merci, Gepano. Katana n'aime pas comme il danse Maloya. Deuxième morceau. C'est un vieux film, ça, non? Là, on remonte dans les années 30. Les années 1930. 30. Oui. On a buzzé? Oui. Edith Piaf, avec quoi? La vie en rose. La vie en rose. La vie dit ça, non? C'est une mauvaise réponse. Non, ce n'est pas Edith Piaf. Vous avez une petite idée, vous, la famille Minachi? Non. Ça va être la môme, là. La môme? Non. Damia, c'est Damia, j'ai rêvé cette nuit. Chanson de des années 30. Nous t'es pas né. Nous t'es pas né. D'ailleurs, le film n'a plus aussi. Hein. Merci, tu t'es pas né. Tanali. Et on entend bien le crépitement là, des vieux disques et c'est juste magnifique. Mais là, le point, ça va pour l'équipe adverse. Oui, petite chose que j'ai oublié de préciser, on me donne soit l'auteur, soit le titre. Hein. C'est bon. Allez. Troisième morceau. Oui. Magic System. Avec quel titre? Képi moins. Coupé-décalé. Coupé-décalé. C'est une bonne réponse. Mauvaise réponse. Non. Écoutez, va voir. C'est piège, bien sûr. Amio, repris par African Connection. Amio, un autre Magic System. D'accord. Attention. Allez, nous envoyons encore l'autre morceau. Facile Mika, ça. Mika. Oui. Mika. Mika. Avec quel titre? Elle me dit. On écoute. Et oui, c'est une bonne réponse. Félicitations, famille Minachi. Merci, DJ Fano. Attention, cinquième et dernier extrait.
Oui, Caspar, Fanny Minaki, oui. Désiré Lès. Voyage. Et c'est une bonne réponse. Merci, Gemano. Mais voilà, ça tous les samedis soirs, Linda. En même temps, c'est pas très récent, hein, voyage. Ouais, bah, Miwao, c'est que ça danse. Eh bien, écoutez, on continue. On dévoile pas le total des points tout de suite. Vous saurez ça à la fin, comme ça, on vous met pas de stress. Ouais, ne mettez pas de stress. Là, tout de suite, le deuxième jeu, c'est le Top Créole. Le Top Créole. Ça, les faciles comme tout. Nous explique à toi tout de suite les règles, les bons. Effectivement, donc trois textes en français que nous l'a traduit en créole et il va falloir nous dire, nous donner la version originale de ces textes. Et là, vous allez prendre 2 points par bonne réponse. Et il y a 3 extraits. Vous allez prêts? Mais vous allez un peu stressé, c'est pareil, ça la paix là. On sent à Zot, hein. Moi, je vais aider à Zot, mais il va lire le texte en créole. Mais bon, nous on va y. Le plus malheureux des moments. Son prince amant la foutre le camp, ensemble le bel bois dormant, lit la vie sans cheval blanc, emmène ses enfants loin des lits. C'est quelle chanson connue ça? Chanson française très connue, très d'un connu. Groupe français très connu également. Et tiens, il vous reste juste quelques secondes, attention quelques on est arrivé secondes, dans la partie allez. Rouge du buzzer. Les le plus malheureux des moments, son prince amant la foutre le camp. Eh bien, c'était Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des mamans, c'était Téléphone. Jolie petite histoire. Je connais pas, merci DJ Fano. Bon. Vous avez compris le principe, hein? J'ai compris. Deuxième morceau. Quand mi rêve, bonne loup. C'est Lola, il saigne. C'est Lola, il saigne. Allez, il y a la suite. Quand mon langue, il fouache, moi, Nena, il fou rire, l'est aussi fou qu'un phénomène. Alors, ça, c'est une chanson connue. Oui. Très connue. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Quand vous allez entendre la chanson, vous allez dire, ah, c'est écoutez, ça. Vous la connaissez, hein. Zone. Je rêve l'eau. Ah, Lolita. Je m'appelle Lolita. Merci DJ Fano. Allez. Apparemment, elle est faible en créole, hein, Maroma. Vous tirez les autres tout de suite. Hein. Je peux passer à Dominica, mais elle est très faible. Troisième morceau. Mille est beau, m'y crois pas tellement, mille est beau. Les gars parfaits, zéro défaut. Totoche, comment mille est trop beau. Oui. Je suis beau. Je suis beau. Je suis beau. C'est qui chante, hein? Je suis beau. Je suis beau. Et c'est une bonne réponse. Bravo. Mais cette carte. C'est bien, merci Stéphano. C'est bien, au moins la gueule trouve N. Et c'est déjà fini pour le deuxième jeu, ça va très très vite. Hein. Comme quoi c'est vraiment important d'avoir un peu de jeunesse, on passe donc au troisième jeu. Et le troisième jeu, c'est le Grand N'importe Quiz. Alors pour le Grand N'importe Quiz, c'est assez facile, on va prendre 2 titres très connus, on va les accélérer, les ralentir, et vous allez devoir reconnaître, et là vous prenez 1 point par... 2 points par bonne réponse. 2 points. Rien n'est fait, famille Minachi, ça peut remonter la pente. Ou descendre plus bas. C'est bon ? Non, bah, le premier morceau. Et on ralentit, là. C'est connu, ça. Alors, est-ce que vous avez une petite idée, les familles? C'est vrai que c'est pas facile du tout, surtout si on a dans pas... Dans son ralenti, là, tu te attention, moi sur le buzzer. Vous avez buzzé, non? Non. Est-ce que quelqu'un... Non. Non. Est-ce que vous avez... La tortue. La tortue. Christophe Willem. Eh ouais, il aurait fallu buzzer, mais c'est trop tard. Il aurait fallu, effectivement. C'était... Eh oui, la tortue. Allez, me te mettre en tortue. Merci. Attention, on écoute. Allez, nous accélérons en ce maintenant. On écoute. Et vous dansez plus vite. Attends, j'ai décroché. Chanson très connue. Ah, si. Oui. France Gall avec. Et le titre. C'est pas grave, on a l'auteur. C'est France Gall. Ella. Oui, c'est ça. C'est Ella. Bonne réponse. Ella. Je ne sais pas
On passe déjà au quatrième jeu. Est-ce que vous êtes toujours motivés? Oui. C'est la folie. Et vous? Super Katema. Elle reste effectivement très très motivée. Les Katema et les Minachi, ils gardent bien le cap. On est arrivé au dernier jeu. Aïe, le dernier jeu, le déconcentre Ali. Il arrive bien. Le déconcentre Ali. Comme vous avez entendu dans le nom, ça déconcentre à mort. Ah bon. Mais bon, on a choisi une chanteuse dans la famille Minachi. C'est qui? La capitaine, alors. Linda, va venir avec moi. Linda, viens. Principe très simple, hein. Une musique dans les oreilles de Linda, cette musique. Elle entend cette musique et elle a une autre musique dans les oreilles. Bon, la mi-force, forme, là, là, il n'entend pas rien. Linda, veux-tu m'épouser? Linda, veux-tu m'épouser? Non, elle a cette musique dans les oreilles et elle va devoir chanter une autre chanson. Voilà, c'est ça le principe du déconcentre Ali. Attention, c'est parti. C'est parti, Linda, faut chanter. Je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. C'est bon. Elle est malade, c'est bon. Merci, Linda. Pas facile, hein? Pas facile. Hey, mais que... Linda gagne en sorte, Ali, un peu quand même. Hein. Et oui, surtout que chaque équipe, enfin, que ce jeu compte 5 points quand même et que ça peut tout changer. M'a besoin d'une grande chanteuse, viens avec moi. Viens. Et vous allez avoir une musique dans les oreilles et un autre titre à interpréter. Facile comme tout. Viens côté moi. Non, t'es facile, ça. Cette musique, DJ Fano. Qui donne envie de danser? Allez, ça a compris le principe, nous envoyons le morceau et vous chantez pour nous. Je suis pas là pour les sourires d'après-midi. M'en veux pas si ce soir j'ai envie. On peut l'applaudir très fort, elle s'est très bien débrouillée. Bravo. C'est pas évident du tout. Et on est très embêtés avec le duo parce que je trouve que les deux familles ont bien chanté. Ouais. Enfin, en tout cas, Linda et Anise, elles ont très très bien chanté. En plus, maintenant, elles entraînées et tout. Ouais. Elles se sont entraînées. Mm-hmm. Allez, on leur on donne 5 le point. Points. Oui, chacun allez, 5 points. Voilà. Allez, bravo. C'est bon parce que vous avez très bien chanté. Très bien chanté les filles. Bah, Linda et Anise. Oui. Attention, total des points. Mm-hmm. La famille rouge compte 8 points. Bravo. Bravo, famille rouge, a bien joué. Et la famille bleue compte 11 points. Ouais, famille Minachi, 11 points. Et dans Allons chanter, tout le monde repart avec des cadeaux puisque vous allez repartir, la famille rouge, donc avec un fameux coffret, label Takamba, voilà, pour pouvoir redécouvrir les musiques de La Réunion. Bravo à, toi. Bravo à la famille Katema qui nous vient de Saint-André. Et pour vous, qui nous venez de Saint-Denis, la famille Minachi, vous allez pouvoir repartir avec une nuit pension complète dans un superbe hôtel. Regardez, c'est l'hôtel Les Aigrettes que Meila nous ramène, notre très très belle hôtesse. Merci. Et vous avez la possibilité de revenir la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est une obligation. On vous retrouve la semaine prochaine, tout simplement. On ne vous laisse même pas le choix. Quand on gagne, on revient. Voilà. Et Zot, à la maison, si Zot, tu veux, élimine Famila. Et Zot, si Zot a le droit à l'hôtel, viens Zot. Maintenant, Zot, la semaine prochaine, dans Allons chanter. Ben oui, il faut que Zot dure un coup. Allez, DJ Fano, lance le son. Ça se termine en musique ici. Dans Allons chanter. Venez. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Et dites pas ni sur le Facebook d'Allons chanter pour être très heureux. Soit participer, peut-être que tout le monde va gagner. Oui, dans comme ça, dans la chanson.